à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère vous allez bien. Alors moi j'ai super nickel, aujourd'hui on se retrouve, alors je vais vous montrer des logiciels, plutôt des jeux comme World of Tank et Skill, des jeux complètement gratuits. Alors qu'est-ce que ça veut dire gratuit? Complètement gratuit, il faut juste internet et un ordi qui a une grosse capacité en on va dire ça, oh lolo, je me rappelle plus. Un disque dur, voilà. Il vous faut au moins une bonne disque dur, voilà, pour ou télécharger ou CD, voilà. Là, vous allez cliquer sur la barre de tâches de Google. Vous allez marquer, alors, le premier, il y en aura deux. Le premier, c'est s.k.il.l.skill. Skill spécial force 2. Alors, c'est un jeu qui... C'est un jeu complètement gratuit qu'il vous faut juste internet pour l'avoir et comme je vous ai dit oh là là, comment je... Ah, putain. Il faut une grosse capacité pour, pas trop pour celui-là, mais il vous faut une capacité pour le télécharger 3 giga 85 go, ouais, quand même il en faut, voilà. Là, si vous allez vous créer un compte, vous allez faire télécharger. Mon compte est déjà créé, mais bon, voilà. Vous allez cliquer sur télécharger. Là, il vous affiche si vous êtes sur Firefox, ça, si je suis là. Sinon, si vous êtes sur Google, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais là, ça va s'afficher là, petit bas. Bon, voilà. Alors, vous voyez que j'ai installé Rocket Dock, c'est une barre qui me sert bien. Voilà. Alors là, une fois, voilà. Voilà. Et là, ça va s'afficher là. On attend. On attend que ça se télécharge. Alors, ça sera une grosse vidéo. Voilà. Parce que je l'installerai avec vous et tout ça. Alors, pour ce qu'il y aura un petit logiciel à télécharger. Voilà. Un petit truc qui va lancer ce qu'il a beau. C'est GameForce. Vous m'en voyez marqué là-haut. GameForce. Non. Je crois qu'on va direct passer à World of Tank. On va attendre encore un petit peu, attendez. On va passer direct à World of Tank. World of Tank, ça se dit en vrai. Voilà. Là, vous avez marqué au... WORLD, World of Tank, OFTANK. Voilà, et c'est celui-là, c'est le premier lien, voilà. Après, il y a plusieurs de la game World of, voilà, et après, il y a plein d'autres choses aussi. Là, on se reconcentre sur Skill Special Force 2. J'espère qu'ils vont sortir le 3. Voilà. Là, vous allez cliquer dessus. Voilà. Belle Porsche. T'aimerais avoir celle-là. Hein. voilà. Alors, YouTube tableau de bord. Voilà. Alors, ok, je fais voilà, c'est celui-là, excusez-moi, je me suis un peu trompé. Voilà, alors là, si ça arrive pas, vous devez attendre un petit peu. Vous recliquez. Alors, passons au World of Tank. Alors, vous allez cliquer sur le premier lien, vous allez marquer voilà, World of Tank. Peut-être que je mettrai les liens dans la description. Voilà. Voilà. Alors là, vous avez World of Tank. Alors, ils n'ont pas fait encore de petites mises à jour, mais c'est déjà bien. Vous allez faire. Ah ben voilà, on va passer après à aux installations après. Bon, moi j'ai déjà installé World of Tank, mais c'est pareil que ce qui vous allez faire accepter. Là, vous allez faire jouer maintenant. Là, il y a 6 sur 360. J'ai oublié de vous le dire. Ceux qui sont sur 360, ben, ils peuvent l'utiliser. Là, vous allez faire jouer maintenant, installer, voilà. Bon, voilà, c'est le bordel.
Là, passons à l'installation de skill spécial force 2. On va dire oui. Skill spécial force 2. Alors, c'est skill. Voilà. C'est skill. Bien. Alors là, on passe direct. Vous allez faire OK si vous êtes français, OK si vous êtes anglais. Bon, la langue que vous voulez. Après, passons à l'installation. Bon, je l'ai ouvert deux fois sans faire exprès. Voilà. Vous allez faire suivant. Ce dossier utilise pour les nouveaux jeux. Impossible que vous avez besoin de plusieurs giga octets de mémoire. Bon, ça on le sait, hein. Il m'en reste, je sais pas combien, moi. Il m'en reste. Il doit m'en rester. Doit m'en rester beaucoup, je pense. Il doit me rester beaucoup de gigaoctets, moi. Oh là, il me reste 356 gigaoctets. Ça peut le faire. Bon, vous voyez que le téléchargement se fait vite. Alors moi, je vais faire une petite pause parce que j'en ai envie. Allez. Bon, voilà. Nous revoilà. Alors, une fois que Game 4 s'est mis, ben, moi, je vais le faire glisser dans ma Rocket Dock. Voilà. Moi, je le fais glisser dans ma Rocket Dock. Là, il va se lancer. Alors, voilà, c'est un petit Game 4. Bon, c'est un petit bon truc, hein. Voilà. Tac, 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 ça cherche, ça cherche. Voilà, alors nous revoilà. Excusez-moi, j'avais pas vu que j'avais fait une petite altercation. Bon, c'est pas grave. Là, vous allez faire installer. Après, vous voyez que là, ok. Là, vous voyez que c'est déjà un bon jeu. C'est un jeu de guerre quand même. Ça tire beaucoup. C'est un bon jeu. Voilà, hein. Bon, regardez les vidéos si vous voulez. Après, il y a souvent des mises à jour pour Halloween, Noël et tout ça. Voilà, ouais, je vais pas vous le dire. Il y a souvent des mises à jour sur Skill, Special Force 2. Voilà. Mais bon. 100%, il va nous afficher une petite. Attendez un petit peu. Peut-être que je ferai un live sur mon bureau. Voilà. Ouais, peut-être sur Skill Special Force 2. Je verrai tout ça, moi. Ok, les gens. Ok, man. Voilà. Installation. Installation. Moi, je fais une petite pause jusqu'à que le truc s'est mis. Alors, voilà, nous revoilà. Une fois que l'icône de skill s'est affichée, alors moi, je me la mets sur ma barre Rocket Dock. Parce qu'après, je mets plus rien. Là, vous allez faire jouer maintenant. Vous marquez lancer. Alors comme je vous ai dit dans le début de la vidéo que je ferai peut-être des lives sur Skill Special Force ou quoi, voilà. Voilà. Je fais une petite pause le temps que ça s'ouvre. Voilà, bon, nous revoilà. Alors, vous voyez que ben, Skill Special Force 2 s'est lancé. Voilà. Alors, il y aura une petite mise à jour qui va arriver jusqu'à 1000 et quelques. Alors, ça a dû prendre une journée, même pas. Hein. Alors, vous pouvez le mettre en français si c'est les Français qui regardent, ou en anglais si c'est des Anglais qui regardent. Bon, voilà. Et après, parlons de World of Tank. Un jeu que j'ai déjà installé, voilà, il me dit Den One, voilà. Ou Den One. Ça va durer pareil que Skill. Voilà. Et là, vous pouvez vous le lancer une fois qu'il est installé. Alors moi, je le lance de ma barre Rocket Dock. Voilà. Bon, je crois qu'il est en train de se lancer.
Non, normalement c'est pas transparent, il y a un gros truc comme ça gris qui va s'afficher. Word of Tank, normalement il va se lancer. Alors que vous l'avez lancé, il va s'ouvrir cette page, ça va pas dépasser ça. Ça va vous le laisser. Voilà. Là, vous pouvez jouer à World of Tank. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis.